C'est qui t'a pincé? Marie-Lou. Elle nous pince toujours. Ah ben elle est pas gentille, Marie-Lou. Bon, on y va. Bonjour les gourmandises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va réaliser une dégustation américaine. Donc j'ai le site que vous connaissez peut-être déjà, My Little America, qui a eu la gentillesse de nous envoyer un gros colis gourmand. Et on va devoir goûter absolument tout ce qu'ils nous ont envoyé. Ouais. Est-ce que t'as faim? J'ai goûté, mais j'ai faim. T'as déjà goûté? Oui, mais j'ai faim. T'as faim quand même? Oui. Bon bah allez, c'est parti, on ouvre le colis. Faut vraiment avoir très faim là. Allez. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des... Ah, ils nous ont gâtés, dis donc. Bon, on commence par quoi? Les Louane, tu choisis. On va commencer par ça. Ah, alors, montre bien, voilà. Montre. Qu'est-ce que c'est? Fluffy Stuff. Avec l'accent anglais, Fluffy Stuff. Maman, vas-y, dis-le. Fluffy Stuff. Le Fluffy Stuff. Donc, je crois que c'est de la barbe à papa. Yeah. Est-ce que t'aimes la barbe à papa, Louane? Ben oui, je mange que les roses, mais pas les autres couleurs. Que les roses? Ouais. C'est de la barbe à papa licorne. Elle est de toutes les couleurs. Bon ben faut goûter hein. Ah, je crois que c'est pas bon. C'est bon? Bah oui, c'est pas mauvais. Ouais. Bah, la barbe à papa, t'en penses quoi? Très bien. Très bien. Donc je précise quand même qu'on va rien gaspiller. Hein. On ouvre les choses, mais on va pas bien sûr tout manger. Mais ça tombe bien, on a un anniversaire demain. Donc je pense qu'on a déjà de quoi garnir le buffet. Est-ce que demain il y a un vrai anniversaire? Eh ben oui, il y a l'anniversaire de qui? De papa. Eh oui. Est-ce qu'il y a Noah? Eh ben oui, il y a Noah, son amoureux. La dernière fois on m'a dit que papa, il a appelé le père à mon amoureux Noah, mais il était malade. C'est vrai? Eh ben on va appeler alors le papa à Noah. Non mais maintenant il est plus malade. Ah. Mais c'est après l'école. Quand c'est fini. Elle parle beaucoup Louane. Quand c'est fini l'école. Oui. Ouais, bon allez, on continue, je crois. Ouais, on continue, ouais. Moi, ça m'intrigue. Ah, c'est des céréales, je crois. C'est quoi? Je sais pas. C'est les Lucky Charms. Je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est très très tendance aux États-Unis. Il y a des petits cœurs et tout. Ah oui, il y a des petits cœurs? Ah oui, t'as raison. Oh, elle est calée, Louane, hein. Oh, c'est trop mignon. Regardez, attends. Je sais pas si on va réussir à les montrer, mais... C'est trop chou. Ça a des belles couleurs. Tiens, maman. Et maintenant, faut voir si c'est bon. Ça sent bon? Trop bon. Mmh. C'est vraiment bon. C'est une tuerie. Honnêtement, c'est super, super bon. Dans le lait, ça doit être juste... C'est trop bon sans le lait. Ah ouais, très bon. Parfait. Achetez-en. C'est très, très bon. Les enfants, à mon avis, et les grands vont kiffer. Mange pas trop, on a encore tout le carton à manger. Hein. Les sucettes. Bon, ça, on va pas les déguster. Hein. Enfin, quoique. C'est quoi? Ah, il y a un chewing-gum dedans. C'est les Charms Blue Pop. On va goûter. J'ai un bel accent anglais. Hein. C'est des petites sucettes. Bon, Louane, on n'en ouvre qu'une, hein. On va pas en ouvrir deux. Bonne surprise. Bonne surprise. Ouh là là, ça c'est de la grosse sucette. Hein. C'est bon? C'est bien, on n'a pas peur de se passer les microbes entre mère et fille. Ça n'a pas trop de goût, je trouve. Quand on croque, il y a un goût. Ah, alors on va écouter la pro. Si elle dit que quand on croque, il y a un goût, je croque. Ah, t'as raison. C'est le goût de la cerise, c'est la cerise. Il y a un bon chewing-gum dedans. Oh là là, carnage. Donc, les sucettes Blue Pops, elles sont vraiment sympas. Aïe. Maman, c'est là où on a fait la dernière fois. On va goûter. Ah, le Jelly Belly. On va goûter une fois. Ah, on goûte. Mais on les connaît. Attends, pour ceux qui connaissent pas, on va leur expliquer. C'est du Jelly Belly. Des fois, il y a des bons et des mauvais. Voilà, c'est ça. Bon, bah allez, Louane, hein, t'es courageuse. Moi, j'ai pas trop envie, mais bon. On va en prendre un bleu, fort. Bleu, un bleu. Non, on va prendre le orange. Donc c'est vomi ou pêche. Allez, chin. Pêche. Moi aussi pêche. Wouhou. T'es sûre pêche, hein? Ah non, c'est... Oh, vite, va te laver les mains, c'est dégoûtant. Erk. Mais toi, tu crois que c'est pêche? Ça sent le vomi à 15 000, quoi. Bon, c'est pas bon, vraiment pas bon, si on tombe sur les mauvais, mais c'est franchement drôle. Voilà, allez, on continue la déguste. Ça va? Oui. C'était pas bon, hein?
Je sais pas si vous connaissez, j'arrive même pas à le prononcer, Nerds. Nerds, Nerds. Et je crois que c'est des bonbons en arc-en-ciel. Je sais pas, on va voir. Allez, on ouvre. Allez. On ouvre. Ah oui, c'est des petits... Des petits trucs là. C'est plein de petits bonbons arc-en-ciel. Ouah, c'est sucré. Hein. Oh, 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 oh. Du coup de pain. Non, prends-en plein dans la bouche, tu vas voir. C'est très acide. Tu sais, ça pique comme le citron. Voilà, j'en prie. Hein. Mets-en plein dans la bouche. Non, regarde ce qu'a fait la Maline. C'est bon. Tu fais pas la grimace. T'as les yeux qui pleurent. Non, ça va. Ça va, c'est bon. Voilà, les yeux qui scintillent quand même. Hein. Ça pique, hein. Est-ce qu'on valide ça, Loulou? C'est bon, hein. Ouais, c'est très ouais, bon. C'est sympa pour les anniversaires. Ah, qu'est-ce que c'est? La barbe à papa, montre-moi. Je sais pas comment. Alors, c'est Pops Rocks. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Puis c'est bien quand on parle pas du tout anglais, on ah, je sais pas. Quoi? J'en ai vu dans une vidéo. En fait, peut-être qu'il y a une sucette, on le trempe dans le dans ah, les trucs qui explosent dans la bouche, là, c'est ça? Donc, je lui fais une petite cuillère. Allez, attention, l'avion, l'avion, on ouvre la bouche. Hop, regarde là, regarde-nous. Écoute, fais, ouvre la bouche. Ah, c'est trop drôle, je vais essayer. Ouais, je suis une gamine, j'assume. Ouah. Pourquoi c'est trop bon? Bon, j'avoue, j'ai roté. Je ne le mettrai pas dans la vidéo, mais j'ai mangé, bon, lâché un petit rot, quoi. Bon. Ça arrive, c'est la vie, hein. Elle a roté qu'on s'enfile. C'est super sympa, donc c'est Pop Rocks Cotton Candy Explosion. Et dans la bouche, ça fait des petits... Ça chatouille. Ouais. Ah bah vas-y, donne. C'est peut-être... Alors les... c'est quoi? Je dis des chewing-gums. Bubblicious. C'est quoi? Donc bubble, je pense effectivement que t'as raison, c'est des chewing-gums. Comme quoi le packaging sur les enfants, ça marche bien. Parce que juste en voyant ça alors que Louane ne connaît pas, elle devine que c'est des chewing-gums. Oh, ils sont énormes les chewing-gums. Attends, regarde, on va aller. Ah, ils sont bleus. Ils sont très gros. Ah, t'as pas... tu fais attention, hein, tu l'avales pas. Hein. C'est pire qu'un malabar. On essaie de faire une bulle. Hein. Ils sont trop gros, c'est hyper dur de faire des bulles en fait. C'est pas drôle. Bon, on a abandonné les chewing-gums. Hein. C'est très très gros, donc je pense que 1 pour 2. C'est très sucré. Ouais, c'est vrai que c'est très sucré. Mais ça, on connaît. Yeah. C'est des M&M's au beurre de cacahuètes. La dernière fois, on a fait une vidéo sur ça. Sur les M&M's? Oui. Ah oui, le mug cake M&M's, c'est vrai, mais c'était pas ceux-là. Non, c'était des autres. Ouais, ça c'est des nouveaux, on va goûter, hein. Tiens. Bravo. Ah, un de moins. Voilà, moi c'est le rouge. Moi et aussi. Elle c'est le rouge, c'est pareil. Allez, on goûte. Mmh. Ah, moi j'aime. Hein. En fait, on dirait un peu des Smarties avec du beurre de cacahuète. Mmh. Oh non, c'est vraiment bon. T'aimes pas trop? Bah t'as le droit de pas aimer. Hein. Bon, en tout cas, moi je vous le conseille vivement. Les bulles sont un petit peu sucrées. Mmh. En goût. Tu vas faire Top Chef toi ou quoi? Non. En fait... Ah, le fameux fluff. Et ben chamallow. Ça c'est de la crème de chamallow. C'est une tuerie. On va prendre une cuillère. Donc ça vous pouvez en trouver même en France, en grande surface, dans les rayons du monde. Non, c'est vraiment bon, vraiment. Et en plus, c'est pas trop sucré, vraiment. C'est vraiment pas trop sucré. Bon, c'est sucré, mais pas trop, quoi. Les autres sont sucrés, mais lui n'est pas... Non, c'est bon, hein. Oui, mais c'est pas sucré, lui. Non, ah non, comparé à ce qu'on a mangé avant, honnêtement, c'est vraiment bon. Et moi, j'ai même une petite astuce à tester. Moi, je l'ai jamais fait, mais pourquoi pas. Mettre le fluff dans une poche à douille et le pocher sur un cupcake ou sur une tarte aux fraises. C'est honnêtement vraiment, vraiment bon. Des petits gâteaux comme des petits cakes. Voilà. Ou ah. Très bon. Très bon. Est-ce que tu arrives à l'ouvrir, Louane? Ah, c'est une brute. Hein. Ah, bien, sans le casser. Hein. Ah, et on dirait qu'il y a de la crème dedans. Mmh. Je veux goûter. C'est ah, super bon. Dedans. Je sais pas, c'est une crème. Ah, c'est vraiment bon. Regarde, en fait, je sais pas si vous allez voir, mais.
Il y a le gâteau et dedans il y a une bonne crème onctueuse. C'est comme la crème là qu'on avait dit, presque comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment bon. Moi, je connais pas la composition, je peux pas vous dire ce que c'est parce que en fait, c'est juste dans des petits emballages comme ça. Je crois que c'est comme de la crème, de la crème blanche. Ouais, c'est de la crème blanche. Donc hostess, je sais pas comment ça se prononce. Pendant que Louane boit, moi je choisis le prochain. Cookies and cream. Tidou. Voilà, mon loulou, je t'attends. On ouvre? Oui. Oui. Ah, c'est sympa en tout cas, regarde. Oh, c'est bon, je crois, moi. Moi, je crois que c'est bon. Tu crois que c'est bon? On goûte? On prend un petit carré, là, on n'en peut plus, honnêtement. Non. Le régime aujourd'hui. On a trop mangé ce soir, on mange pas, hein. C'est bon, hein. Faudrait faire une recette avec ça, Loulou. C'est vraiment super, super bon. Moi, j'aime beaucoup. Et toi? Oui. Ouais? Bof? Bof. Ah, est difficile, hein. Continue. C'est que mon frère aime. En fait, c'est des. C'est quoi? Je connais plus. C'est des os. Rio. C'est des oreillos. Des oreillos? Il y en a plein autour. C'est des oreos au beurre de cacahuète. Allez, ah, ils sont tout petits, tout mignons. J'ai rouge. C'est trop bon. Bon, encore un gâteau que Louane n'aime pas trop. Hein, de toute façon, c'est le beurre de cacahuète que t'aimes pas, je crois. Ouais. Définitivement. Voilà. Je crois qu'on a vidé le carton. On ne voit plus. Quoi, Louane? On ne voit plus. Ah, Louane, c'est quoi ce que tu as préféré dans la dégustation? Plein ou des... Non, un. Celui que t'as le plus aimé. Non, j'en ai aimé deux. Choisis-en un seul. Ah, j'allais prendre ça aussi. Ah ouais, c'est trop bon ça. C'était les Lucky Charms. Voilà. Et aussi la barbe à papa, ça m'a plu. Ah oui? Ben moi j'aurais choisi ça aussi. Et si je dois en choisir un autre, le chocolat aux cookies. C'est vraiment trop bon. Voilà. Donc nos deux produits coup de cœur sur la dégustation My Little America, c'est ceux-là. Et voilà, notre première vidéo de dégustation de produits américains est terminée. On espère que ça vous a plu et qu'on ne vous a pas trop donné faim quand même. Et puis ben maintenant, qu'est-ce qu'il leur reste à faire à nos gourmandises? Abonnez-vous à notre chaîne, c'est des gros pouces bleus. On vous aime. Très fort. Très fort. À très vite. Ciao.